L'intervention longue mais dense et pleine de contenu de l'ambassadeur Pratt vient clôturer la table ronde de ce matin. Nous sommes une demi-heure en retard par rapport à la pause café, mais s'il y a quelques questions urgentes qui s'est soulevées dans l'audience, je vais bien la lancer et essayer de répondre très rapidement. Qui c'est qui voudrait intervenir? Il y en a une là. Il faudrait un micro? Non. Ah, il est là. Gracias, professeur Fontella. Yo quisiera inquirir o preguntar sobre el concepto de co-desarrollo que verdaderamente me ha cautivado. Quisiera aclarar que vengo de un país donde que ha sido una suerte de laboratorio de las políticas económicas durante las últimas décadas. Ayer esto nos lo recordaba con mucha precisión don Enrique Iglesias. Esta última ola de pruebas y experimentos en mi país se dio con el llamado consenso de Washington, mediante el cual se nos obligó a privatizar y a establecer una economía de libre comercio. Pues bien, hoy se ha hablado del concepto de co-desarrollo, pero extrañamente este concepto en todas las intervenciones que he visto no toca temas fundamentales. Y el tema fundamental para un co-desarrollo que implica un partenariado supone reglas equivalentes entre las partes. Está visto, y todos los estudios de prospectiva nos muestran los grandes flujos de comercio que se van a dar en los próximos años. Pero no podremos reducir la pobreza en el mundo entero si no tenemos reglas equivalentes entre las partes, y menos aún en un concepto como el de co-desarrollo. El problema está en que los países del norte no hacen lo que predican. Predican el libre comercio y practican el proteccionismo. ¿Cómo los países del sur podremos superar la pobreza si finalmente nos estimulan la inversión, pero nos limitan el acceso a mercados? Este debiera ser un problema fundamental. Yo estoy de acuerdo en la reconciliación y en el desarme, pero cuando menos tendríamos que tener el coraje para decir las cosas como son. Y no podremos limitar ni reducir, no podremos reducir sobre todo la pobreza en el agro, en mi país, en los países del sur, si es que no se dan reglas equivalentes para las partes. Este me parece un tema fundamental que quisiera preguntar aquí a nuestros amigos europeos que han acuñado este concepto tan atractivo del co-desarrollo, que me lo compraría si es que tratase temas fundamentales como este. Gracias. Si le parece, he cometido un error antes táctico, porque el debate tiene lugar después de la pausa café. Así que yo voy a tomar nota de la intervención que se acaba de hacer y la contestaremos después de la pausa café como primer paso a la serie de preguntas. Así que contestaremos después de la pausa café. D'abord la pause café et ensuite la réponse. Et on a le moment de partir très bien avec cette question. La pause café est de 15 minutes qui se transforme en 30. D'ailleurs, nous n'avons pas eu une véritable séance de débat non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont cumulées. Le panel ici pourra réagir à certaines de ces demandes. Et d'autres membres
des panels de hier, éventuellement, pourront intervenir à l'occasion. L'idée qui nous a paru la meilleure, c'est de prendre note de toutes les interventions et de faire une réponse commune à partir de l'ensemble des interventions, pour ne pas établir un dialogue qui pourrait s'allonger beaucoup entre deux personnes. Donc, nous prenons comme première question celle qui a été faite avant la pause et qui, je vous rappelle, touchait les questions du protectionnisme des régions du Nord comme étant un des éléments des problèmes des régions du Sud et comment, au fond, dans un climat où la liberté ne marche que lorsqu'elle convient au Nord, c'est difficile même de développer des projets de co-développement. En tout cas, si on veut, tu veux ajouter quelque chose à la question avant de commencer, ou je demande à d'autres d'ajouter. Creo que me parecería que pudiese darse mayor sustancia a este concepto de co-desarrollo. Este co-desarrollo implica, a la hora de hablar del comercio, que tiene un alto impacto en la reducción de la pobreza y en el crecimiento de nuestros países, el que existan reglas equivalentes para las partes. Yo planteaba exactamente que a la hora de tratar las reglas del comercio, un tema fundamental del desarrollo, existen reglas disímiles. Los países desarrollados, los países del norte, no hacen lo que predican. Son en realidad creyentes del libre comercio, pero no lo practican. Gracias. Très bien. Muchas gracias. Merci beaucoup. Le professeur Christian de Boissieu s'agite. Oui. Il va demander la parole d'abord. Ah, d'accord. Oui, moi je voudrais réagir sur deux plans, puisque nous avons abordé au cours de ces deux journées la problématique de la construction d'un espace à la fois économique et politique du Maghreb à l'horizon 2030. Et je crois que pour bien connaître le monde financier, le monde de l'entreprise, que ce soit les grands groupes ou les PME-PMI, pour bien connaître aussi le fonctionnement des exécutifs sur le plan politique, je crois qu'il y a des pièges idéologiques et conceptuels qu'il faut éviter. Le premier, face au monde que nous connaissons aujourd'hui, serait de rester dans les visions macropolitiques et macroéconomiques du siècle dernier et de penser que d'un côté, il y a des grands groupes mondiaux qui soient affranchis des territoires et qui résonneraient de façon indifférente aux logiques locales, et puis que d'autre côté, il y aurait des cercles vertueux avec, sur le plan local, des PME, PMI, qui constitueraient des réservoirs d'emplois extrêmement intéressants pour le développement des pays. Je vous incite à changer de grammaire et à avoir des approches que j'appelle les approches système. Aujourd'hui, aucune économie dans le monde ne peut se construire en opposant d'un côté la vision idéologique tiers-mondiste nord-sud d'hier, des grands groupes opposés aux entreprises locales. Il faut les deux. Et si vous n'avez pas cette approche-là, vous serez laminé par les méthodes et le mode de fonctionnement des Asiatiques qui résonnent, eux, en logique système. J'ai entendu ce matin l'idée qu'il fallait à peu près 100 milliards de dollars pour pouvoir mettre en œuvre des constructions, je dirais, économiques un petit peu audacieuses en termes d'investissement. Sachez que ce week-end, la Chine vient de décider de créer une agence d'investissement pour pouvoir utiliser les 1 000 milliards de dollars de réserves qu'ils ont aujourd'hui dans leur
au niveau de la Banque centrale, une agence qui va bénéficier de 200 milliards de dollars. Ces 200 milliards de dollars vont être investis à la fois par des approches par le haut avec des grands groupes et par des approches par le bas avec des opérations décentrées, décentralisées auprès des PME, PMI. Vous les verrez agir aussi bien sur des grands groupes qui tiennent des matières premières, qui tiennent des grands réseaux de télécommunications ou d'énergie, et vous les verrez aussi racheter des petits commerces, racheter des corners, comme on dit dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire des points essentiels dans la tenue du terrain sur le plan commercial, industriel et autres. Raisonnez avec une approche système, sinon vous ne serez pas dans les jeux, je dirais, mondiaux qui sont en train de se mettre en place sur le plan financier et sur le plan économique. La deuxième chose, c'est ce que j'ai entendu et qui me rappelle, vous savez, des dictons marins dans mon pays, en Bretagne, c'est que quand il n'y a plus de vent porteur, eh bien, on joue les effets thermiques. Vent de terre le matin, vent de mer l'après-midi, hein, et puis on s'habitue à des petits vents, des petits courants, et on s'habitue à une petite navigation. Ce que tu disais, Ahmed, hier, c'est-à-dire on rentre dans une vision de l'histoire un petit peu linéaire et précautionneuse. Je pense que si vous êtes sur l'idée d'une construction, il faut avoir de l'ambition. Et une construction ne peut pas se faire sans vision. Et elle doit quelque part être incarnée par un vent dominant. Je suis désolé, mais si vous voulez avoir de la force dans vos voiles et dans votre navigation, il faut un vent dominant. Pour moi, on ferait de la petite navigation. Aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas l'Europe, dans son projet politique, qui peut porter ce vent dominant. Par contre, si j'inverse le paradigme et que je regarde, là, je vais être particulièrement audacieux. C'est un Européen qui vient au Maroc et qui vous propose quelque chose d'audacieux. Je vous ai dit hier, quand on regarde la capacité, je dirais, des exécutifs locaux, il y a un jeune roi sur la région et d'autres dirigeants qui sont en fin de parcours politique. Regardez la moyenne d'âge. Vous avez un jeune roi et des dirigeants qui sont en fin de parcours politique. Quand on construit un projet sur le plan politique et économique, il faut bien, à un moment ou à un autre, quelqu'un qui l'incarne, ce souffle. Je dis bien incarne. Vous avez un jeune roi qui aujourd'hui est audacieux au regard de la société civile, au regard d'un projet de société. Il a l'avantage d'être jeune. Il a l'avantage d'avoir la continuité et il a l'avantage d'avoir quelque chose qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, sauf peut-être par Alain Ménargues. Il a l'avantage d'incarner une dimension par rapport à l'islam qui est fondamental. On ne peut pas aborder la construction de ce grand Maghreb sans associer l'islam et la modernité. Et vous avez un monarque qui, dans ce domaine, a une dimension personnelle et politique, qui est fondamentale pour réfléchir à cette construction sur le moyen terme. Donc, ne soyons pas trop idéologique d'un côté sur le plan de la construction économique et ne soyons pas trop limitatifs dans l'approche de la modernité ou de la construction politique de la région en voulant faire uniquement que de la géométrie variable et avec une vision historique qui ne serait que linéaire et pas ambitieuse. Je pense qu'il faut avoir une approche système d'un côté pour faire face aux grands mouvements des grands blocs qui sont en train de se construire, et puis, de l'autre côté, avoir une approche audacieuse et ambitieuse avec peut-être l'idée d'accompagner un leadership qui commence d'abord par l'incarnation d'un projet autour d'une personne, parce que je crois difficilement, si vous voulez, à une démarche fondamentale sur le moyen terme si elle n'est pas portée quelque part par quelqu'un ou par une équipe qui soit forte en la matière. Bien, merci beaucoup. Le suivant dans notre liste, c'est Christian de Boissy. Merci bien et merci aux intervenants de ce matin. J'ai envie de revenir sur trois sujets.
Deux ont été évoqués ce matin et l'un a été évoqué hier en fin d'après-midi. Et on n'a pas eu le temps, à mon avis, d'avoir suffisamment de débat sur le troisième sujet que je vais évoquer. Bon, sur le premier thème, je voudrais dire un mot et déboucher sur une question pour le panel, à partir du mot que je vais dire. Je pense qu'on a parlé, bien sûr, de l'agriculture et de la filière agroalimentaire, mais je dirais, d'une certaine façon, on n'a peut-être pas suffisamment parlé sur le terrain géopolitique. Parce que j'ai le sentiment que quand je regarde le débat Euromed, Barcelone 1 et Barcelone 2, et puis même en dehors de Barcelone, j'ai le sentiment quand même qu'il y a une énorme ambiguïté sur ce dossier, pour des raisons qui tiennent au fait que l'Europe ne sait pas très bien elle-même où elle va sur le futur de sa politique agricole commune, que, j'allais dire, on ne sait pas très bien où l'OMC va, ou plutôt on sait où l'OMC ne va pas, sur le dossier agricole, en tout cas à court terme, et que ce non-dit sur le caractère un peu stratégique du dossier agricole agroalimentaire, qui est beaucoup plus important que ce que représente le secteur du point de vue économique. La place géopolitique de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans l'Euromed est beaucoup plus importante que la place économique. Et donc, là, je fais cette remarque parce que je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé sur le terrain géopolitique de ce dossier agricole et agroalimentaire à ce stade du débat Euromed, m'amène à une question que je vais poser en particulier à Mme Sprenzer, mais aux autres membres du panel s'ils veulent s'en préoccuper. C'est la question des nouvelles alliances dans la mondialisation. Je veux dire, on a parlé de Nord-Nord, de Nord-Sud, de Sud-Sud. Quand on regarde le dossier agricole, agroalimentaire et l'évolution des négociations OMC, qui sont à l'arrêt aujourd'hui, moi, ce qui m'a frappé depuis 3-4 ans, c'est l'arrivée de nouvelles alliances un peu contre nature. Le groupe de Cairns, me paraît un peu une alliance transitoire, temporaire, contre nature. Ce groupe où vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et tel ou tel pays africain, les intérêts me paraissent provisoires, fragiles. Donc, j'aimerais bien aussi qu'on réfléchisse à l'évolution de la mondialisation avec cette problématique de décomposition, recomposition des alliances. En fonction des sujets, les alliances ne sont pas les mêmes. Il y en a certaines alliances qui sont peut-être durables et d'autres qui sont transitoires. Je me permets d'ajouter cette problématique parce que il me semble que cet angle-là a été relativement peu abordé. Et si Mme Sprenzer ou d'autres membres du panel veulent y venir, ça me ferait plaisir. Deuxième sujet, cher Juan, cher ambassadeur Pratt, on est d'accord. Bon, et on était même d'accord à Madrid, simplement chacun est dans son rôle. Moi, je suis dans mon rôle d'académique, pas irresponsable totalement, mais qui est un peu irresponsable. Sans ça, je ne serais plus académique. J'aimerais bien que, Juan, vous reveniez sur cette question qui me paraît importante, au fond, des financements, vers les petites et moyennes entreprises. Bon, vous disiez, la FEMIP, il faut la contourner. Peut-être, je suis d'accord avec vous, même si il ne faut peut-être pas l'enterrer quand même. On est d'accord. Je rappelais hier soir que la part des financements privés en provenance de la FEMIP a quand même augmenté. Ce qui m'intéresse, c'est le delta. C'est le delta, c'est la dynamique. Et la dynamique, c'est plus de financements privés. Je ne sais pas ce qui s'est passé au Maroc récemment, mais en Tunisie, la FEMIP a signé une convention avec Tuninvest pour faire du private equity, pour développer donc ce qu'on appelle en français le capital investissement. Bon, c'est marginal, c'est pas assez, mais le delta va dans la bonne direction. Donc, je crois qu'on est d'accord sur le diagnostic, il y a de l'épargne, et je rejoindrai la problématique d'Émile Mallet qui m'a paru tout à fait intéressante. Il y a de l'épargne, comment faire jouer un multiplicateur sur cette épargne, comment la canaliser. Bon, alors,
ça rejoint le débat sur les projets, parce que s'il y a de l'épargne et qu'il n'y a pas de projet en face, il n'y a rien à financer. Donc, moi, hier soir, j'ai parlé de l'UMA des projets, de la même manière que j'ai parlé de l'Europe des projets. J'aimerais bien que, Juan, vous ayez l'occasion de préciser un peu votre schéma sur le terme de, sur cet aspect de canalisation de l'épargne. Et ça rejoint le débat sur lequel la Banque mondiale travaille beaucoup depuis 3 ans, comme vous le savez, le rôle des remittances, comme on dit en anglais. Le rôle du rapatriement, en quelque sorte, des travailleurs marocains, tunisiens, portugais et autres à l'étranger. Parce que ce qui m'a frappé dans la problématique de la Banque mondiale sur le financement de l'économie mondiale depuis 2-3 ans, c'est qu'on a l'impression que dans les schémas de la Banque mondiale, ces revenus des travailleurs étrangers dans leur pays d'origine jouent un rôle fondamental et compensent un peu le fait qu'on, ça a été dit ce matin, qu'on vit dans un monde qui fonctionne pas bien du point de vue des flux de capitaux, quand même. Si vous voulez, on peut continuer à se lamenter que les Américains aient un déficit courant de 7% de leur PIB, mais on se retrouve dans un an ici, à Rabat ou ailleurs, dans un an, le déficit extérieur américain sera toujours de 7% du PIB. Quand j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a longtemps, on parlait déjà du déficit extérieur des États-Unis. Bon, donc on vit dans ce monde-là où les capitaux vont un peu dans le mauvais sens, bon, d'une certaine façon, mais peut-être que cette problématique de canalisation de l'épargne par des institutions, par des instruments financiers nouveaux ou affinés, c'est une bonne problématique. Ceci dit, l'un et l'autre, vous n'allez pas échapper à la question fondamentale, qui porte le risque? Qui porte le risque? Bon, moi, ça ne me pose pas de problème en tant que contribuable européen de porter des risques si ces risques servent à quelque chose. Si ces risques servent à financer plus de croissance au sud de la Méditerranée. Ça ne me pose pas de problème en tant que contribuable français. Mais il faut de la transparence ici sur la question de qui porte les risques in fine. Pour moi, la finance, c'est avant tout un problème de risque. Et c'est un problème de répartition des risques. Et il me semble, Ruan, que vous n'avez pas eu le temps de parler du problème de mutualisation, répartition, redistribution des risques, mais c'est quand même fondamental. Dernier point, et je me tais, un point qui a été abordé hier soir et sur lequel on est parvenu parce que ce n'était pas le sujet de ce matin, mais hier soir, on a terminé avec un débat sur l'enseignement supérieur et la recherche. En tant que professeur d'université, moi, je me sens totalement concerné par ce sujet. Bon, je voudrais dire la chose suivante. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, le sujet central pour nous, tous nos pays des deux côtés de la Méditerranée, c'est d'améliorer la qualité et la compétitivité de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Bon, et quand je dis ça, je ne pense pas uniquement aux conclusions un peu négatives pour nous, Européens continentaux, du classement de Shanghai ou d'autres critères. Je dis, c'est un fait. Alors, le débat, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Bon, il y a des problèmes d'argent. Je rejoins ce que vient de dire Xavier sur les problèmes de moyens. Il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de gouvernance aussi dans nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Il y a des problèmes d'économie d'échelle. Excusez-moi de parler comme un économiste. Et les problèmes d'économie d'échelle, c'est-à-dire que je vais parler de l'Europe continentale, mais mon raisonnement vaut aussi a fortiori pour les pays du Maghreb. Aujourd'hui, chaque pays européen essaye dans son coin, isolément, un peu les uns contre les autres, d'améliorer son système, la compétitivité de son système d'enseignement supérieur et de recherche. Aucun de nos pays d'Europe continentale n'a la taille critique pour construire des Harvard, MIT, Stanford et autres universités. On a fait Erasmus. On peut faire Erasmus dans le Maghreb. On peut avoir un Erasmus, il faut l'appeler autrement. Je ne sais pas s'il faut l'appeler Augustinus ou autre chose. On peut faire un Augustinus maghrébin. Saint-Augustin. Là, ce que je veux simplement dire, c'est que par rapport à l'argument de la taille critique, par rapport à l'argument des moyens, le partenariat franco-italien, franco-espagnol, germano-belge,
ça ne suffit pas pour améliorer la compétitivité de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche et pour rivaliser avec les meilleures universités américaines, voire anglaises. Je viens d'un pays qui s'appelle la France, où on a créé il y a un mois officiellement l'école d'économie de Paris. Bon, très bien. Où est Annecy? On va voir. On va voir si la Paris School of Economics va rivaliser avec la London School of Economics. Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de contraintes administratives à contourner, c'est des problèmes d'attirer les meilleurs cerveaux par des salaires adéquats, c'est des problèmes de passer un cercle vertueux. Donc, ma question aussi, alors elle n'est peut-être pas pour ce panel, elle était plutôt pour le débat d'hier soir, mais tant pis, c'est le partenariat en matière d'enseignement supérieur et de recherche, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le partenariat, ça ne permet pas de bénéficier d'économies d'échelle. Ça ne permet pas d'atteindre la taille critique. C'est mieux que rien, un Erasmus en Europe ou un Augustinus dans le Maghreb. C'est mieux que rien, l'échange, la mobilité des étudiants, des jeunes, etc. Mais je pense que si on veut être compétitif ou améliorer notre compétitivité sur cette question d'économie, de l'enseignement, du savoir, de la connaissance, il faut aller au-delà. Et je dirais que, pour moi, la clé de la croissance à l'horizon des 25 prochaines années, elle se jouera principalement sur ces questions-là, sur ces questions de notre capacité ensemble, chacun d'entre nous et si possible ensemble, à améliorer la compétitivité de nos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche et la liaison entre la recherche et le monde de l'entreprise. C'est là-dessus que se jouera notre croissance dans 20 ans, le fait d'être à 3%, à 5% ou à 0%. Merci. Merci, Christian. J'avais une demande avant la pause. Vous voulez annoncer votre nom ? Buenos días. Me llamo Ben Brahim, catedrático de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales. Tengo una pregunta para el señor embajador Juan Prat. En primer lugar, tengo muchísimas gracias por lo que ha dicho sobre Marruecos, sobre este encuentro, el éxito del encuentro. Mis preguntas no tienen nada que ver con el económico, sino que con relaciones entre España y Marruecos. Usted habló del proyecto de autonomía del Sahara. Me gustaría mucho, sabiendo que usted viene de Barcelona, que conoce muy, muy bien lo del tema de la autonomía en el norte de España, el desarrollo que conoce la región desde el punto de vista económico, social, político e industrial, sabiendo también las relaciones que se desarrollan entre esta región y sobre todo la región de Casablanca. Me gustaría saber lo que piensa usted como diplomático, como hombre del terreno, que tiene muchas experiencias. No le pido su punto de vista oficial, sino de un hombre que conoce muy bien este tema, sabiendo también que España tiene muchísimas relaciones que tienen siglos, son países vecinos. Si hay un país que puede decir algo sobre este tema es España y sobre todo una persona como usted, que yo personalmente he conocido, conozco también que tiene una experiencia larga y puede decirnos entre nosotros lo que piensa de este tema de la autonomía. El segundo punto es seguir al encuentro entre la Unión Europea y Marruecos. El 19 de noviembre había una reunión que se trata de... Marruecos habló, yo creo por primera vez, de un subcomité de los derechos humanos, en francés, un subcomité de droits humains y la gouvernance. Yo creo que, según lo que conozco yo, son solamente dos países del Mediterráneo, Jordania y Marruecos, que han hablado de este tema.
me gustaría saber lo que piensa usted de esta apertura de Marruecos ante la Unión Europea. Y le agradezco mucho por su simpatía lo que ha dicho. Gracias. Muchas gracias. Comme l'ambassadeur Pratt va nous quitter à 12h30, je vais prendre encore deux questions et je vais lui demander à lui de répondre. Les deux questions sont... Oui, Figueredo et le recteur Fernandez aussi. Je vais donner la parole à Fernando Fernandez et ensuite à Figueredo. C'est dans l'ordre que j'ai reçu les demandes. Monsieur le Président, Monsieur le Président, depuis longtemps j'ai demandé à parler. Il ne faut pas m'obliger à prendre la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question à la suite de la brillante intervention de M. Jean-Louis Guigou. Bon, je dois avouer que toutes les interventions sont brillantissimes. Et j'ai beaucoup apprécié celle sur le co-développement. Et par rapport à l'intervention de M. Guigou, la question que je voudrais lui poser est celle de savoir si, comme il l'a si bien présenté, la proposition d'une construction d'une Europe méditerranéenne ne constitue pas un jeu ouvert en direction du Maghreb pour la sauvegarde des intérêts européens, parce qu'on sait, puisque M. Guigou le dit lui-même, au plan géographique, l'Europe ne peut plus, n'a plus d'élasticité par rapport à ses frontières. Donc, un jeu ouvert vis-à-vis du Maghreb pour la défense des intérêts européens, et ainsi pousser le Maghreb, en particulier le Maroc, dans une structure de jeu fermée par rapport à ses intérêts, aussi bien transatlantique et sahélo-saharien. Je dis cela parce que je n'ai pas eu l'intuition de déceler dans les différentes interventions la prise en compte des bouleversements énormes qui sont en cours, notamment en Afrique subsaharienne. Je sais qu'il y a un colloque qui est consacré exclusivement à ça. Mais nous sommes là aussi pour faire en sorte que, dans le cadre du débat, on puisse tenir en compte de l'ensemble des atouts dont le Maroc dispose sur le plan de la géographie, comme vous l'avez si bien dit. Donc, dimension européenne, méditerranéenne. Aujourd'hui, si Sa Majesté Feu le roi Hassan II avait été écouté par les dirigeants européens, peut-être qu'on serait loin aujourd'hui par rapport à la constitution de cet ensemble Europe-Méditerranée. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Ça fait plus de 20 ans. C'est seulement maintenant qu'on découvre qu'il avait raison.